Hello, bien le bonjour et le bonsoir, c'est Traclass et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et donc dans l'épisode précédent, on s'était laissé juste ici devant le fameux sanctuaire, qui n'était pas très difficile, celui-là on devait faire des petits cubes et tout. Et à la base on était justement à la recherche d'Impa dans ce temple ici là, donc on l'a trouvé. Et maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Alors attendez, nénéné, journal d'aventure, nénéné, l'arme du dragon, et l'arme du dragon. À l'entrée du temple oublié, vous avez rencontré Voka qui s'est rendu en compagnie d'Impa explorer le temple pour en apprendre un peu plus sur les géoglyphes. Ouais, mais il faut que je fasse quoi actuellement? On va reparler à Impa pour voir. Que j'ai oublié. Link, c'est toi, je te remercie pour ton aide avec la montgolfière. Je suis persuadé que nous trouverons des informations sur les géoglyphes quelque part dans ce temple. Je fouine un peu partout, mais sans succès jusqu'ici. Il faut dire que les lieux sont vastes. Voyons, voyons, où pourrais-je encore bien chercher? Donc, il faut que je cherche les géoglyphes, en fait, maintenant. Normalement, je viens de par vers là-bas. Donc, en toute logique, il faut que je me rende par vers ici. Et bah, allons-y. Allons-y, allons-y. N'oublions pas un peu de... fouiller un petit peu de partout, récupérer un petit peu de tout ce qui nous est à notre disposition, parce que c'est comme ça que ça marche, et que c'est comme ça qu'on avance efficacement, parce que étant donné que je suis nul au jeu, il vaut mieux que je sois au mieux préparé pour m'en sortir un minimum, voilà voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc de spécial par là? Rien de spécialement spécial pour le moment. Ok, ok. Si, il y a une grande... ça tombe bien parce qu'il me faut ça, moi, une... où je prie auprès d'une statue comme ça, là. Parce que de la déesse de... je sais plus trop quoi, là. Parce que moi, j'ai des trucs pour avoir des cœurs supplémentaires, là, actuellement. Ça m'intéresse bien, en plus, tout ça. Hop, des petites baies. Ça fait zizir, ça. C'est bien zizir, les petites baies. Actuellement, ça me sert à rien, mais ça fait bien zizir quand même. Là, il n'y a rien. Bon, moi, s'il n'y a rien, allons-y. Ça pue l'ennemi par là. L'ennemi ou l'énigme? C'est quoi, ça? Bah, c'est... devient une fleur, mais de technologie... j'allais dire Sheikah, mais non, c'est plus Sheikah. Maintenant, c'est... Sonao, voilà. Fleur radieuse. Apparemment, j'en avais déjà récupéré, mais je sais plus à quoi ça sert. Bon. Dans tous les cas, je peux rien faire actuellement là-dedans. Oh! What is ça, en fait? Attendez, parce qu'il y a deux chemins par là-bas. Attendez, mais... ah ouais, il y a des représentations. C'est pas les trucs où on prend les larmes, là Les dessins qui est un peu de partout sur la terre, ça. Ouais, regardez. On a déjà récupéré celui-là, là, normalement. Ah. Ok. Ah, bah, va sûrement falloir que je ramène les larmes du dragon par ici, en fait, je suis en train de penser. J'ai l'impression que ça m'emmène juste en bas, ça. On va voir. Voyons un peu comment ça se trame tout ça. Ouais, ouais, bah, ouais, ça, je m'en doutais que c'était comme ça. Ok. Donc je pense qu'en fait, c'est ici qu'on va ramener les larmes de dragon qu'on trouve. Je pense que ça doit être un délire de genre. Salut Impa! Surprenant, n'est-ce pas? Descendons, dame Impa. Nous ferions bien examiner tout cela d'un peu plus près. Il a raison, le ref. Hein. Tu as vu ces représentations murales? On dirait bien nos géoglyphes, non? Qu'est-ce que tout ça peut bien signifier? Oui, c'est bien lui, tout à gauche, le premier géoglyphe que nous ayons découvert. Bah oui, bah c'est exactement la réflexion que je viens de me faire, en fait. Voyons un peu la gravure suivante. En croire la carte tracée au sol, celui-là se trouverait non loin du village Piaf. Ah, ça m'indique où ils sont. Il semble que l'emplacement de tous les autres géoglyphes sont également indiqués sur la carte au sol. C'est à peine croyable si je m'attendais à découvrir ce genre de choses au fond de ces ruines. Quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme s'est déclenché, des géoglyphes sont apparus un peu partout.
Je me demande s'il y a un lien avec les images exposées sur ces murs. Nous allons certainement pas rester plantés là. Dépêchons-nous d'aller examiner les autres géoglyphes. Mais enfin, Dame Impa, ne vaudrait-il pas mieux prendre un peu de repos au préalable? Si tu découvres un autre géoglyphe au cours de tes voyages, Link, ne manque pas de l'étudier de près. Pour y recevoir une vision comme celle de l'autre fois, et ainsi obtenir un indice supplémentaire au sujet de la princesse Zelda. Vous savez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû prendre un screen en fait. Parce que là, le château est là. Nous, on se trouve par ici, là, à peu près. Celui-là, on l'a vu dans l'épisode précédent. On l'avait marqué. Je me trompe pas. On l'avait marqué. Marqué d'un coffre. Je ne sais même plus de quoi je l'ai marqué. Je crois que j'ai dû le marquer d'un coffre. Ça doit être le coffre. Non, on est peut-être même plus par là, là. Ouais, on est là, dans la falaise, là. Enfin, dans le trou, là. On est ici, nous. Du coup, il y en a un autre juste au-dessus. Un autre juste au-dessus. Ah, bah peut-être que je l'avais vu aussi. Ah, j'en ai peut-être vu plusieurs. J'en ai peut-être vu plusieurs. J'ai dû les marquer de coffre du coup. Ok, bon, bah c'est super. Est-ce que j'ai réussi ma quête? Le temple oublié contenait 11 fresques au style similaire à celui des géoglyphes, ainsi qu'une carte d'Hyrule. Il semble que des géoglyphes soient apparus dans diverses régions du monde après le cataclysme et la disparition de la princesse Zelda. Il vous reste encore 10 géoglyphes à examiner. Ok. Donc on a trouvé le temple, c'est bien, mais pour le moment ça nous sert à rien, il faut qu'on trouve les géoglyphes. Bon, bah, c'est toujours que ça de prix, hein. Au moins on sait où est le temple, on sait... à quoi ça va nous servir? J'aimerais juste, du coup pour le coup, me mettre un peu par là, comme ça, pour que je puisse prendre un screen de tout ça. Tac, 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 comme ça c'est pas ouf. Non, je vais pas pouvoir faire mieux. J'aurais dû le prendre pendant la cinématique, là, il y avait une bonne vue dessus. Hop, on va faire comme ça. Voilà, comme ça, si jamais j'aurai à peu près les positions nécessaires des différents géoglyphes. Bon, en tout cas, on va essayer de sortir de là. Parce que c'était bien cool tout ça, mais nous, à la base, on se dirigeait. Alors, attendez. Tac. On se dirigeait ici, nous, à la base. Et on a bien bifurqué parce que du coup on se retrouve là. C'est quand même assez incroyable. D'ailleurs là, le trou là, il est gigantesque en fait. On va essayer de revenir un peu par là. D'ailleurs là, il y a un sanctuaire. On va essayer de se diriger vers ce sanctuaire, le faire au passage. Et on va essayer de faire ça en traversant hein, par la falaise là. Mais j'aimerais bien me rendre du coup à l'entrée du truc. Ça va pas être possible, je crois. Hein. Parce que sanctuaire Misashu Michi là. C'est plus ce qui était marqué, mais il est juste là à côté normalement. Bah tant pis, hein, on va ressortir à pied. Hein. Je crois qu'on n'a pas bien le choix, à part si. Non, 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 non. On me laisse pas traverser le mur par ici. Bon bah tant pis, tant pis. C'est quoi ça? Hellebarde rouillée. Trop peu intéressant tout ça. Bon bah finalement j'aurais eu le temps de faire ça dans le dernier épisode, mais je vous avoue que je m'attendais à ce que le temple soit encore un peu plus grand que ça. Mais bon. Pas grave, hein, c'est les aléas. Hein. On va faire avec, on n'a pas tellement trop le choix. Bon par contre revenir à pied, je vous avoue que c'est un peu fastidieux hein, tout ça. Oh là là, va falloir que je remonte là-bas et tout. Genre vraiment? Pas moyen de... Ou alors je peux revenir à partir d'ici. Ouais, on va faire ça. C'est peut-être plus intelligent dans ma mémoire que dans ma tête là. C'est peut-être plus intelligent de faire comme ça parce que là, un petit peu pénible de se retaper tout le temple à l'envers quoi. On va se TP. Et après on va sauter carrément dans la falaise là. Oh, il pleut, j'espère qu'il tonne pas. Hein.
Non, c'est bon, il fait que de la pluie. Mon cheval. Mon cheval est beaucoup trop loin pour moi, j'ai l'impression. Ah, le truc, c'est que je vais pas pouvoir descendre avec mon cheval. Je peux monter, ça c'est sûr. Parce que j'avais vu un chemin par là-bas. Mais pour descendre avec mon cheval, ça va être compliqué. Alors, est-ce que je vais dans la falaise ou pas du tout? Non, vous savez quoi? Je pense pas qu'on va y aller tout de suite dans la falaise. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu plusieurs petites étoiles ici en mode frérot, t'as pas visité tout ça. Et comme ça, je reviendrai faire la falaise. Et là, on va se diriger à dos de cheval jusqu'au temple qui est ici. Et après, il va falloir sûrement que je traverse en fait par là. Hein. Alors que je traverse la falaise. Pour me diriger jusqu'au village. Bon, dans tous les cas, retournons déjà jusqu'à notre cheval. Là, il m'a entendu. Il m'a entendu, le ref. Alors, si tu peux venir me rejoindre. Hey, Epon, avec ton truc qui traîne derrière, là. Pour l'instant, il nous sert à rien. Ça fait trop bien plus plaisir de te voir. Ok. Eh bah, let's go! On part à l'aventure! Youpi! On va partir déjà pour faire un petit sanctuaire. Et après, peut-être qu'à un moment ou un autre, on arrivera jusqu'à notre destination. Hein, parce que mine de rien, on traîne, on traîne, on traîne. Mais c'est ça aussi, Zelda. Hein, c'est vraiment beaucoup d'exploration. Attendez, je vais jeter quand même un petit coup d'œil dans la falaise. Parce que ça me titille un peu cette histoire-là. Je vous avoue que j'aurais bien fouillé, mais sans mon cheval, ça risque d'être compliqué, quoi. Ça a l'air immense en plus, hein, dans le trou, hein. Et il y a des choses. Non, il n'y a rien de spécial en fait, c'est juste des cailloux. Mais je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Ça paraît un peu bizarre tout ça, hein. Y a pas des trucs mojo par hasard ou je ne sais quoi? Non, bon, bref. Bref, bref, bref. Ah oui, j'avais besoin de bouffe. Et je m'étais un peu loupé la dernière fois. Alors, on va essayer d'être un peu plus. Yop! Bam! Yop! Et bam! Alors! Eh! Dernière fois, j'étais pas très en forme. Là, je suis un peu plus en forme. Alors, faites attention, les différents animaux là. Et bam! Aha! Pourquoi la dernière fois je l'ai pas one shot et là je l'ai one shot? Peut-être qu'il s'agit du même loup. Mystère et boule de chewing gum. Oh, je lui ai fait peur à lui là-bas. Bon, il est loin. Il est loin, il est loin. Dirigeons-nous là-bas là. Pour le moment, ici on a tout visité donc ça m'intéresse pas tellement. C'est quand je peux faire un peu des véhicules là, ou même une charrette là. Moi j'aimerais bien avoir une charrette. Là j'ai mon truc qui traîne, ça sert à rien. Bah alors rien de rien. Salut Voldemort. C'est la femme à Voldemort ici. C'est parce qu'elle a pas de nez, c'est pour ça. Par où faut que je monte là? Est-ce que je dois continuer comme ça? Ou est-ce que je monte par là? Pef, pef, pef. Là, ici, on a la tour. D'ailleurs, j'ai plus besoin de ça. Ici, c'est le relais. On va suivre la route. On va suivre la route. Parce que il me semble qu'on n'a pas tout fouillé sur cette route. Parce que nous, on est arrivé de là et on a tout coupé. Mais on n'a pas, du coup, on n'a pas visité la route en elle-même. Donc on va juste suivre la route actuellement. Et profitons un peu de ce merveilleux paysage. Il n'y a que sur Zelda qu'on arrivera à voir des graphismes comme ça sur Switch. Hein. Bon, par contre le jeu lag un peu. Mais bon, c'est la Switch. Hein, vivement vivement qu'ils nous sortent une nouvelle Switch un peu plus puissante. Ici on avait fait déjà. Là on avait fait aussi. C'est là où on a fait... Ah bah si, mais peut-être que j'avais fouillé un peu la route alors. Ah ah, ça c'est le Litorok. Est-ce qu'on le slurferait pas un petit coup, histoire de choper un peu de... un matériau là. On va se le refaire un coup.
Attendez. Puff, puff, puff. Je vais me le faire avec... Bah, je vais me le faire avec le maillet comme ça. Comme ça, il va bien se faire avec la taxe. Alors maintenant... Parce que depuis la dernière fois, j'ai eu un cerveau. Alors, viens. Par contre, ils vont me saouler, eux. On va essayer de s'en débarrasser avant qu'ils soient trop problématiques. Faut que je fasse gaffe aux rochers aussi du Littoroc, là. Allez, viens. Ah! C'est exactement ça que je devais faire attention, en fait. Ah, pourquoi je suis si nul au jeu? Allez, viens te battre maintenant. Non, non, viens pas te battre, viens pas te battre, viens pas te battre. Et si, viens te battre en fait, j'ai même pas peur en fait. Et voilà. C'est comme ça qu'il fallait faire en fait. La dernière fois, j'étais juste un peu trop bête. Tu vas voir que... Ah, ça a cassé en fait. Non, non, je vais pas utiliser celui-là, je vais utiliser celui-là. Et bam, 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 bam. Tu vas bouffer. Bouffe le Littoroc. Bouffe, bouffe, bouffe. Bouffe. Mais ça a de la vie ce truc, hein. C'est waouh. Ah, ah. Eh non. Hé hé. Oula, attends, je suis tombé. C'était pas prévu. Kaboum. Voilà, c'est une petite explosion pour le fun. Mais en fait, non. Parce que. Oh non. Oh, j'ai fait trop le fou. Oh, j'ai fait trop le fou. Je voulais utiliser les flammes, mais ça a pas marché. Pourtant, j'ai appuyé deux fois sur X pour déployer mon truc, mais il a pas déployé. Du coup, j'ai fait un peu trop le fou et je suis mort. Et autant vous dire que j'ai un peu le seum quand même. Oh, tout le temps, il m'explose la bouche, le Littoroc. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Et quand ça me saoule, c'est pas très plus mais bien. Une grande hache caillouteuse, pardon. On va se battre avec ça. On va se battre avec ça. Et avant ça... BAM! 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 Toi, dégage! Toi, dégage, j'ai dit! Ok. Maintenant, c'est entre toi et moi, le Littoroc. Esquive! Hop, j'ai bien mon pouvoir magique. Esquive! Pouvoir magique de la muerte. Oui, bah, rentre dans le sol, là, c'est bon. Yap! On traverse! On traverse. Et maintenant... Le coup du tourbilol. Tourbilol, 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 tourbilol. Ça fait beaucoup de tourbilol. Mais mon arme ne fait pas assez de dégâts malheureusement. Attendez, parce que là, si je me prends un seul rocher dans la tête, je meurs. Alors j'ai très envie par contre de... Parce que ça me paraissait stylé comme action. Juste qu'il faut que je fasse un peu attention à ça. Et voilà. Et alors, hein, je suis pas un peu un génie là? On va utiliser grand maillet parce que le truc ne fait pas assez de dégâts. Ouais, il fait pas bien beaucoup plus de dégâts celui-là. Il va se casser malheureusement. Il va se casser. Hop, on va manger un petit gland. Histoire de se mettre bien esquive. Ok. On tire. Non, loupé. On tire. Ah, non, loupé. Esquive. Ok, non, pas encore esquive. Alors, tu veux te battre ou tu veux pas te battre, le Littoroc fortifié de la muerte? Esquive! Ok. Re-esquive! Maintenant, faut que je me rapproche, mais j'ai plus d'endurance. Non, rapproche-toi pour rentrer dans le truc. Ok. J'ai réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Maintenant. Casse. Casse-lui la bouche, j'allais dire, mais pour l'instant, ça s'est pas cassé, malheureusement. On va réutiliser la hache, hein. Hop, tourbilol. La hache n'est pas assez forte, hein. Parce que c'est un caillou, en fait. C'est pour ça, plus efficace au maillet. Bon, bah voilà, on lui a bien cassé la bouche cette fois. Bon, je serais mort une fois, mais on va faire comme si c'était jamais arrivé, ok? Parce que ça craint du boudin, quand même. Ah, j'avais oublié que le cœur de Littoroc, je ne peux pas le prendre. Et ça, je dois vous dire que ça m'embête un peu. Là, il n'y a que des armes rouillées. Non, moi, j'ai déjà des trucs... Que des trucs utilisés. Bon, on va faire avec l'épée de soldat. Hein.
bien l'impression que pour le moment, je n'ai pas tellement le choix. Au moins, j'aurai une deuxième épée de soldat pas mal stylée en vrai. J'ai un arc niveau 4. Arc Boko, c'est moins bien. Hein. C'est bien ce que je me disais. Ah, mais non! Je suis pas équipé, suis-je bête? Bah, c'est la même chose. Ok. Ok. Bon, bah, c'était plutôt cool tout ça. Par contre, j'ai cassé mon maillet maintenant et autant vous dire que j'ai un peu le seum quand même. Et là, j'ai pris un éventail. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un éventail? Oh, en plus, il va me saouler. Voilà, casse-toi. Puff, puff, puff. Alors, pour me refaire un grand maillet du turfu, faudrait que je coupe du bois là-bas. C'était pas sur le bois directement, c'était sur les arbres méchants, hein, je crois. Hein. Je crois que c'était sur les arbres méchants, les grands bâtons de bois comme ça, là. Et là, il y en a plus d'arbres méchants. Non, il y en a plus. Put. Bon, bah tant pis, on va juste continuer son chemin, on verra bien, on aura bien de quoi faire un grand maillet une prochaine fois. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Pas dû visiter, je crois, par là, par contre. Mais nous, on va essayer de s'enfoncer par là, là, actuellement. Là, ici, je connais à peu près. On va faire ça. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être essentiellement de l'exploration, comme ça, hein, pour... En tout cas, jusqu'à ce qu'on se dirige vers notre quête. Poussez-vous! Mourez! Dans notre souffrance! Meurs dans notre souffrance! Arrête d'appeler tes potes, en fait. Ah bah tiens, regardez. Hop! Un gourdin. Parfait, ça! Il suffit d'y mettre un gros caillou. Et on est bien, en fait. Et on sera archi bien. Y a pas des gros cailloux comme ça, là, qui traînent, là? Moi. Qu'est-ce qu'il y a donc de spécialement isolé et... Wow. Attendez, parce que je m'embrouille dans mes mots, mais parce que ça m'a coupé, il y a des turbines ici. Il y a des turbines, et donc ça me fait penser qu'il y a des choses bizarres. Ah, attendez, j'ai réfléchi dans ma tête 2 minutes, et j'ai trouvé ce qu'il faut que je fasse. Casse-toi, toi. Il y a un coffre au middle. Et j'ai des planches avec des turbines. Ce qui me fait penser que il faut que je m'en serve pour naviguer en fait dans l'eau. Ah, j'aurais dû utiliser le garder l'éventail aussi, m'aurait peut-être servi. Tant pis hein. Hop, petit coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Un propulseur Kezako Kezak. Artefact sonoro qui fournit une grande énergie de propulsion sur un laps de temps très court. Ok, ça a l'air pas mal. Et je vois pas en quoi ça me serait utile actuellement. Est-ce qu'on se ferait pas un petit bateau? Mais le problème c'est que je peux pas tourner. Je peux pas tourner et il me semble aussi une chose... Alors je vais essayer pour voir. Par exemple, si je mets celui-là ici, comme ça, je crois qu'ils s'activent tous en même temps, malheureusement. Ouais, c'est ça le problème. Sinon, j'aurais pu naviguer un peu comme ça, en allumant et en éteignant. Mais du coup, je vais pas pouvoir. Hein. Et du coup, ça me pose un peu problème tout ça. Alors, attends. Hop, toi. Gyroscope, il marche pas très... Pourquoi mon gyroscope, il marche pas très bien actuellement? Il tourne à gauche, il veut pas tourner à gauche. Peut-être que je fasse une calibre... Peut-être calibration? Ça se dit calibration? Pouf. Je crois que ça se dit, hein, mais je suis pas sûr. faut que je calibre le gyroscope. Parce que je crois qu'il y a... Il a du mal un peu le ref. Alors attendez, avant que j'aille chercher le petit coffre au milieu, j'ai vu qu'il y avait un camp d'ennemis ici, donc on va essayer de leur casser la bouche. Rien de spécial là en dessous encore. Alors qu'est-ce qu'un camp d'ennemis fait là tout seul
Il n'y a rien ici, les refs. En plus, vous êtes pas beaucoup, là. Vous servez à rien. Si vous servez à quelque chose, un peu. Ah, mais calme-toi, toi. Il est fou, lui. C'est un malade mental dans sa tête. Oula, il a un grand truc de pique. Attends, ça m'intéresse, là, ton machin. Ça m'intéresse de ouf. Ah, mais j'ai besoin de tout. Ça, en vrai, ça, il est un peu pourri. J'aurais peut-être pas dû y mettre un caillou là-dessus. Ça a l'air pas mal du tout, en vrai. Bouclier Boko. Au niveau bouclier, je suis comment, moi? Un bouclier du voyageur. Est-ce qu'un bouclier Boko, c'est mieux qu'un bouclier voyageur? Non. Donc, ça ne sert à rien. C'est mon maillet. Très bien, très bien. Très bien, bon. Hop, petite corne, j'ai failli la louper. C'est extrêmement lumineux par ici. Et du coup, ça m'éclate un peu la rétine. Ça m'éclate un peu la rétine actuellement. Casse-toi, toi. Et casse-toi, toi. Du coup, j'ai du mal un peu à voir les loot sur le sol. Opale brut. Waouh! Trop content d'avoir fait tout ça pour un opale brut. J'avais trop envie de trouver un opale brut par ici. Grave, grave content, en vrai. Comment je vais faire pour... Parce que la turbine, c'est bien, mais ça me sert pas non plus. Oh! Attendez, attendez. Moi, j'ai un éventail turbine. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Ou est-ce que je suis seul à penser à ce que je pense actuellement? Est-ce qu'on pense à la même chose? Ou est-ce que je pense tout seul à cette chose-là? Il est encore là, le ref? Mais il est vraiment de partout, lui. C'est incroyable. Il est de partout, le ref, hein. Oh! Bah, y a une voile ici. Ah, c'est toi, merci encore pour le coup de main. Comme tu peux le voir, j'essaie d'installer Gros Allié ici aussi. Enfin, je veux dire, un panneau à son effigie. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux aller nulle part d'autre. Que faire? Bah tu vas attendre, je vais bloquer ton panneau comme d'habitude, et puis on va être bien, on va être tiguidou, mais d'abord je vais m'occuper des refs qui sont ici. Surtout lui là, parce que lui, il va nous lâcher des trucs électriques. Et après, on va tous mourir dans notre souffrance, un peu comme eux, là, actuellement. Mon arc de la muerte s'est cassé. J'ai le seum. Attendez, faut pas que je casse ma turbine. Esquive. Ah, je savais qu'il allait me taper, mais... Oh, j'ai déjà cassé ma lance, mais tout casse trop vite. C'est exactement pour ça que ce jeu est ultra frustrant. Moi, j'ai des armes, je suis trop content d'avoir des nouvelles armes et tout, mais elles me durent 2 secondes. Du coup, après, ça me fout dans la med. Et je n'aime pas trop être dans la med. Alors, attendez. Déjà, comment je monte là-haut grâce à mon pouvoir magique? Pouvoir magique! Pof! Et rien. Rien de spécial. Ok. Alors. Déjà, on doit aider le ref. Pour aider le ref, j'aurais besoin de pas ce pouvoir-là. Oh, on voit le ciel. Intéressant, le ciel. Alors, j'aurais besoin de ceci. Que je vais poser de cette manière. Oh, mais il est pas comme d'habitude, ton panneau, là. C'est un nouveau type de panneau, ça. Attends, parce que quand tu le lâches, il tombe comment, du coup? Lâche pour voir. Ah! Il tombe par devant. Ok. Oui, tout va bien, patron, patati patala. Non, mais parce que moi, j'ai failli me faire avoir avec tes bêtises. J'allais y mettre sous le côté, mais cette fois-ci, il tombe par devant. Donc, c'est très différent, quand même. C'est quoi, ça? On a juste un bâton comme ça.
Moi, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose d'un peu bête. Et peut-être que ça va suffire. De faire un truc comme ça. Bah, attendez, ça sert à rien que je le mette devant actuellement. Je vais faire ça. Et je veux faire... Yeah. Ouais, sort de là. Je veux faire ça. Que je vais mettre comme ça. Bon, j'ai pris les plus grandes planches, mais... peut-être pas non plus... peut-être pas obligatoire, mais bon, c'est pas grave. Hop, et là, j'y colle. Vas-y, lâche. Lâche pour voir. Vas-y, lâche. Ah. Ah 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 ah. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc, il faut que je le bloque de plusieurs manières différentes. Où je réfléchisse actuellement. Comment comment je suis censé faire? Oh, attendez, j'ai peut-être quelque chose là. Je suis peut-être sur un truc là. Hop, il suffit que je prenne lui maintenant. Et ensuite, il veut bien descendre le truc là, le petit Link. Je me demande si ça va pas le coincer de cette manière-ci, le panneau là. Ah, par contre, pas de ce côté. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah si, c'est bon, je peux lui parler. Vas-y, lâche pour voir. Ok, j'ai réussi à le coincer avec les... Intéressant. Bon, bah tant mieux, hein, tant mieux. J'ai réussi à le coincer grâce au rondin. Incroyable, il ne tombe pas. Quel génie, je n'aurais jamais imaginé tout seul une astuce pareille. Je sais, je vais en profiter pour le fixer. Et bah fixe, fixe. Et voilà. Grâce à toi, il est solidement en place. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Aux joies, aux libertés retrouvées. Tiens, c'est pour te remercier. Des rubis, de la bouffe. Cimer, ça fait plaisir. Et puis, ça a dû t'ouvrir l'appétit, toutes ces histoires, non? Laisse-moi te donner ce petit plat dont j'ai le secret. Boulette aux herbes pic-pic. Je ne crois pas que ce soit suffisant pour t'exprimer toute ma gratitude. Tiens, prends aussi ça, tiré de ma collection particulière, spécialement pour toi. Champi fumigène, ça fait plaisir. Pour aller installer d'autres panneaux à présent. Allez, j'y vais. Et bah, hasta la vista, my my. Maintenant, moi je pars dans un bail. Dans un bail de... Waouh, il y avait un coffre que je l'ai pas vu. Oh, là, il y a une feuille Korogu. On me donne une feuille Korogu. Ça fait plaisir d'avoir une feuille Korogu. Mais je pense que je vais faire avec ma turbine. Enfin, on verra, on verra. On verra comment tout ça se profile. Yeah, je nage dans le mur. Voilà. Petit coffre. Waouh, des flèches en bois. Comment je suis trop pas content. Comment c'est trop nul. Non, non, non. Tendez. Tendez, tendez. T'es pas en boîte, enfin t'es pas en ferraille toi. T'es pas en ferraille, mon arc n'est pas en ferraille. Ok, tout va bien. Parce que là c'est de l'électricité statiquement statique dans l'air, donc ça va me faire mal. J'anticipe tout ça. Décolle-toi. Voilà, comme ça décolle tout en fait. Alors, j'ai pas besoin des rondins. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin des rondins? Non, j'ai pas besoin des rondins. Plus besoin d'une planche comme ça.
Je viens placer, bah pas dans l'eau tout de suite. J'ai besoin, hop, d'un mât comme ça. Voilà. Tac. Et j'ai besoin... Bah, pas de turbine, du coup. On va faire ça avec l'éventail. Est-ce que ça marche avec l'éventail? Parce que par exemple, je dis... Hé, hey, je voulais avancer dans cette direction. Ça marche, mais ça tape au sol et ça va casser ma turbine, tout ça. Dans le doute, je vais quand même prendre le... la feuille Korugu avec moi. Pourquoi est-ce que ça tape dans le sol comme ça? C'est débile. Oh, qu'est-ce que j'ai d'électrique? Ah bah mon arme. Ah bah oui, mon arme. Du coup, je vais pas pouvoir naviguer le temps qu'il y a des tonnerres. Ah bah c'est malin tout ça. Plus de crotte, hein. Plus aller dans l'eau quand il y a du tonnerre. Pas sûr que ça soit le meilleur des bails. Il y a des plateformes bizarres là, comme ça. Bon, est-ce qu'il y a du tonnerre pendant longtemps? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse jusqu'à ce qu'il n'y a plus de tonnerre et on se retrouve quand il n'y a plus de tonnerre. Voilà, à tout de suite. Et re les amis, alors regardez. Waouh, attendez, il y a des ennemis. Je les tue avant que le tonnerre me tue. Elle est peut-être pas électrifiée celle-là. Si elle est électrifiée. Ah non, elle est pas électrifiée. Ah oh, bah avec celui-là en fait c'est bon. Mais cassez-vous là les crânes là. Cassez-vous. Parce que... Aïe, oulô! Je vais mourir à cause du stuff qu'il y a par terre et... Dinguerie. Regardez là-bas, il y a un truc qui brille. C'est pas mon... C'est pas un de mes points. Ah non, c'est pas un de mes points. Mais c'est giga loin. Je me demande si c'est pas une étoile... une étoile filante là ou je sais plus quoi là. Ça m'a l'air d'être ça. Dans le doute, je vais mettre un point. Et je me suis trompé plusieurs fois à plusieurs reprises. Je vais mettre un point, même si je pense que ça va... Si c'est une étoile filante, elle va disparaître à un moment donné. Notamment à une lune de sang. Est-ce que j'ai pas moyen... Ah si, j'ai ça, là. J'ai le sanctuaire là, qui est juste à côté. Mais je venais de faire mon bateau. Bon, tant pis. Partons, on se téléporte et on va aller voir là-bas. Parce que ça fait plaisir que c'est une étoile filante là où je sais plus quoi. Je sais même plus à quoi ça sert exactement. Je vous avoue, j'ai complètement zappé. Ça fait trop longtemps. Mais je sais que c'était très utile. Donc, si je peux en avoir une, autant aller la chercher. On va voir un peu tout ça. Juste là. Comment je vais monter tout là-haut? Je vais avoir de quoi monter tout là-haut. Oh, grave intéressant tout ça en fait. Mais il se passe des choses. Il se passe des choses tout le temps dans ce jeu. C'est pour ça que ce jeu c'est une dinguerie. Moi je kiffe hein, vraiment. Bon après c'est vrai que en let's play, c'est peut-être aussi ma manière de jouer. Moi j'aime bien un peu tout explorer et tout, tous les environnements et tout qui est à ma disposition. Mais j'ai l'impression d'avancer lentement quand même. Mais en même temps, oui c'est ça, c'est une étoile filante et tout là. Non, arrête de tomber. Arrête de tomber. Arrête-toi. Je viens de monter exprès et tu me fais redescendre. Fragment d'étoile. Ce mystérieux fragment d'étoile tombé du ciel est si précieux que sa valeur marchande est très élevée. Mais il semblerait qu'il soit aussi capable d'éliminer les entours. Les alentours, pardon. Bah c'est super, mais on s'affiche quand même. On va faire ça, on va se téléporter à la tour et on va voler comme ça là, comme si qu'on volait là, comme ça là, paf, jusqu'à dans le lac. Il y en a un petit peu hein, dans la tête là. Hein. Moi je suis un fou, hein, moi je suis un déglingo dans ma tête. Hein. Tour du mont Labula. Et le lac est par vers ici. Ah non, moi c'était ce lac-là carrément que j'étais moi. Enfin, je vais mettre un point pour pas me louper en fait. Ok,
Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai sauté directement? Parce qu'en fait, je peux sauter d'encore plus haut. Grâce au canon magique nul. Parce que la cinématique, parce que voilà, on connaît. Et moi, j'étais au petit lac là, et il y a un grand lac là. Ok. Ya! Je plonge en fait. Pourquoi je plonge lentement comme ça? Attendez, on va se diriger vers le lac du coup, mais. J'ai l'impression d'être lent. Yo! Oh, je suis loin de l'eau là, alors faire attention quand même. Je vais mourir là. Où est-ce qu'il est mon bateau là? J'arrive à rien reconnaître depuis en haut. Ah, il est là mon bateau. Bah, va falloir que je le reconstruise du coup. C'est pas grave, on devrait s'en sortir. Voilà! On est revenu à destination. Et du coup, on en était à faire un bateau. On fait un bateau. F. La petite voile. Pef, 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 pef. Bim. Et après, je vais carrément utiliser ma turbine à moi pour me diriger. Ça va être plus simple. Plutôt que de mettre une turbine... turbine sur le truc, quoi. Oula, et non, je veux pas l'acheter, ma arme. Allez, vol! Ah, mon avantail à la turbine, du coup, il est en train de se casser. Ça qui est bête. Et du coup, il tape tout seul dans le... Bah oui, c'est débile. C'est pas grave. Bah si, c'est grave. Si, c'est grave actuellement, en fait. Ah! Pénible, hein. J'aurais dû mettre une turbine au bout, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais comment je vais procéder. Je sais comment je vais procéder. Toi, viens là. Paf. Viens là, viens là, viens là. On va y foutre une turbine derrière. On va lui mettre une turbine dans le fion. pour qu'il avance, le ref, là. Et après... Là, j'ai une épée nulle sur moi. Et je dois avoir, du coup, un éventail Korogu qui traîne quelque part. Voilà. Tac. Et je vais le poser là. Et je vais en faire... Tac. Attendez, parce que si je fais comme ça, ça tape. Et si je fais comme ça, là, ça tape pas. D'accord, c'est pour ça que ça marche comme ça. Très bien. Bah, peut-être que c'était même le cas avec une turbine du coup. Peut-être, peut-être. Tant pis, j'ai sûrement cassé pour rien. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est hop. Je fais ça. Je lui mets une turbine dans le fion. Dans le bon sens, ce serait mieux. Bim, voilà. Et maintenant... On fait comme ça. Et là, on devrait être capable, donc, non seulement de se diriger grâce à mon éventail Korogu. Ça peut pas être un peu plus pratique, là. Et là, maintenant, même de faire... Bam! Et le coffre, il est par là. Arrête-toi! Arrête-toi! Qu'est-ce qu'il fait, ce con? C'est pas ça que je veux, moi, c'est le coffre. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Tout va bien, je l'ai eu. Je vais le... coller là. Non, mon bateau, il coule! Mon bateau, il coule! Au secours! Le coffre était trop lourd. Uf! Uf, uf, uf!
Ça a failli très mal se passer tout ça. Mais on a pu récupérer le coffre. Ah, tout ça pour un truc nul. Oh non, pas mal. Une grande arbre d'énergie Sonao. Moi, je suis preneur. Hein. Ça sert à quoi, du coup, toutes ces choses-là? Ça sert à rien. Il y a des choses encore plus bizarres dans l'eau. Mais je ne peux pas plonger actuellement. Ok, bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir, tout ça. On va se rediriger vers la surface. Enfin, vers la surface. On est déjà à la surface, mais... Je veux dire, l'autre bout de l'eau, quoi, voilà. Ça va pas avancer, là. Si, ça avance. Ya. 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 Non, ça avance pas, en fait. Attends. J'ai failli faire une dinguerie. J'ai failli faire une grosse dinguerie encore. Bon, t'es dans l'eau là ou quoi là? Pourquoi il avance pas tout seul grâce au vent magique? Bon. Allez. Turbine, emmène-moi là où je veux. Merci. Ok. Le cheval, je sais que t'es dans le coin. Viens donc me chercher là, parce que on n'a pas que ça à faire, nous. Hein. Allez, le cheval, c'est trop génial. Parce que moi, après, donc du coup, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça, donc j'aimerais bien aller voir la tourbière de Dranier, là. Mais en même temps, mon truc est juste ici. On va faire ce qu'on va traverser. Hein. On va traverser comme ça pour aller jusque-là. Hein. On verra. Hein. Le cheval, c'est trop génial. Allez, mais viens, il est lent, lui. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est pas à moi d'aller vers toi, c'est toi qui es censé venir vers moi. C'est fou, hein, ces animaux-là. Ah là là. T'as de la chance d'être trop mignon, hein, parce que sinon, hein... ça m'a l'air d'être un grand champ de champignons géants comme ça, là. Ah, mais si je commence à partir à pied, ça va être compliqué, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir que je monte après, hein. Je crois qu'on va... On va abandonner Ipon au bord de la route, hein. Il ne pourra pas grimper là-bas, de toute façon. Comment même je pourrais descendre, là, actuellement, avec mon cheval? J'ai envie d'emmener mon cheval avec moi, parce que me déplacer à Yep, compliqué quand même. C'est une bonne question tout ça. Notre cher... Ah si, bah bien, par là c'est bon. Voilà. Je vais le déposer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou! Mais t'es fou! Mais c'est un déglingo ce cheval! C'est un fou malade dans sa tête lui et... Qu'il se fasse soigner ou quoi? Attendez. J'ai vu un sanctuaire magiquement magique par ici. Sanctuaire, c'est ça. Tac. Épone. Est-ce que celui-là là-bas je l'ai marqué aussi? Je ne sais pas. Dans le doute. Oui, je l'avais déjà marqué. Épone. Mon cher petit cheval. Tu fais très bien beaucoup plaisir. Est-ce que j'ai pied là-dedans? Ah! Épone. Mon cher petit cheval, on va peut-être pouvoir partir ensemble finalement. Voyons voir. Si tu fais pas trop le fipou comme ça. Et là, tu commences à me sceller quand même. Le cheval. Le cheval, tu commences à me saouler d'avoir peur d'une petite bosse. Alors maintenant, on passe. Et passe là, c'est bon, tu mets les pattes en avant et ça y est. Oh là là, j'aime pas du tout le pilotage de cheval dans ce jeu. C'est pas très maniable. Bon, vous allez me dire, ça rajoute un petit truc... mais bon, voilà, je suis pas fan, quoi. Vraiment pas fan de la chose. Sinon, à part dire des bêtises,
Qu'est-ce qu'il y a donc d'intéressant par ici? Il n'y a rien de fou. Ah si, il y a un inox. Il y a un inox. On va lui casser sa bouche. Alors, je vais me remettre quand même full life avant. Parce que je dis on va lui casser sa bouche. Et je sais très bien que c'est plus lui qui va me casser ma bouche à moi plutôt que l'inverse. Alors, pour le coup, quelle arme vais-je utiliser? Parce que moi, je suis plus arme à deux mains pour les ennemis comme ça, mais actuellement, j'ai pas grand-chose. Vais utiliser ça, là, ma brise-lame Golemax, là. Je vais prendre un bon arc aussi, parce que c'est quand même un inox, hein, c'est pas non plus rien du tout, le truc. On va commencer par le taper. Mais elle va déjà se casser mon épée. C'est une dinguerie ça. Ok. Je vais continuer avec ça qui est déjà entamé. Oh, je vais taper dans le genou. Et comme il était protégé, ça ne lui a rien fait. C'est bon à savoir ça. Oh, mais il prend ultra cher Jean-Michel là. Je m'attendais pas à ce qu'ils prennent aussi cher. Pas si fort que ça en fait, l'inox. Ah mon ref. T'es pas si fort que ça en fait. Tu te fais juste éclataxe. Ok, viens là. Ah. Ok, je vais louper le yeux. J'aimerais bien te viser dans l'œil. Bah, il est chiant. Mais c'est pas grave, tu vas finir par mourir à l'arc, hein. Voilà, hein. Je t'avais dit, moi. Hein. Tu m'écoutes pas aussi. Aussi, tu m'écoutes pas. Fallait m'écouter, l'inox. J'avais dit que t'allais mourir, mais bon. M'écoute pas. Banane lame, ça c'est pas mal, ça, pour me faire des trucs qui me permettent de taper plus fort. Là, il y a une espèce de wind bizarre. Demandez à mon cheval de s'approcher un peu. Une espèce de ruine bizarre. Le plateau du tonnerre. Bon, pour l'instant, il tonne pas, donc ça va. Plateau du tonnerre. Il n'y a pas un petit coffre dans le coin ou je ne sais quoi? Ça me sert à quoi ici? Intéressant. Cet endroit sert forcément à quelque chose, hein, mais pour le moment, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait un petit pixel où je pouvais monter. Actuellement, il pleut, donc grimper comme ça va être pénible. Il veut pas, hein. J'ai vu le petit pixel. J'ai vu tout à l'heure, ça a fait schling. Pas arnaquer le jeu là? On va bien arnaquer le jeu moi. Ça monte là? Pourquoi ça monte? Alors qu'il pleut. On s'est glissé. Il y a un truc qui tombe du ciel. Il y a un rocher qui tombe du ciel. C'est les rochers qu'on a déjà vus au préalable. Oh, un rocher Sonao tombe du ciel. Pas très loin. Je vais aller le chercher en vrai parce que je vais m'en servir pour me faire un maillet. Y a des chevaux là-bas. Il a l'air d'avoir rien ici. C'est bizarre. Hein. À mon avis, on en aura besoin pour plus tard, sûrement dans une quête. Du coup, j'ai tourné ma caméra à 360 degrés. Et je ne sais plus où est tombé le rocher. Pas très pratique. Hein. Il était tombé pas trop loin normalement. Mais il y en a un autre qui tombe. C'est fou ça. Une vraie pluie de rochers. Où vas-tu tomber, très cher? Et en fait, moi, j'en aurais besoin pour me faire un maillet de fou, là. Bam! Ok, c'est bon. Toi, moi, je sais où t'es. On était pas un, ça, là, par hasard? Non, ça n'était pas un. Si, c'en est un. Bah voilà, en fait. Il était là, l'autre. Il était pas trop loin. Ok!
Ah non, c'est des décombres, ça. Oh, ça fera l'affaire, vous allez me dire, hein. Ça fera l'affaire, hein. En maya archéologique. Viens là, Epon. On va se diriger vers le sanctuaire. Sanctuaire magiquement magique. T'es prêt, mon grand? Mon grand. Voilà, s'il te plaît. Ok, c'est parti. Direction le sanctuaire. Et je pense qu'on se laissera après avoir fait le sanctuaire. Voilà un peu pour aujourd'hui. Ce sera essentiellement de l'exploration aujourd'hui, mais tant pis. Je vous avoue qu'on allait... Aïe! Mais t'es pas gentil, le cheval! Je pensais qu'on allait passer plus de temps... comment dire... dans le temple oublié. Mais en fait, non. Donc du coup, on a pas mal exploré à cet épisode. C'est pas grave, hein, c'est tout aussi bien, même. Mais voilà. On va se diriger par là-bas. Pourquoi il y a une boule? Il y a une boule et il y a une grille. Boule. Ah! C'est pour me faire une montgolfière. Bah, j'en ai pas franchement besoin pour monter là, si. Pourquoi j'en aurais besoin pour monter? J'en aurais pas besoin là pour monter. Je peux monter à la force de mes petits bras et mes pouvoirs magiques là, non? Dommage parce qu'il faut que ça soit à chaque fois bien plat en fait pour que je puisse traverser le sol. Bon, vous savez quoi? On va se faire la montgolfière en fait. Je comprends pourquoi on nous. on nous donne une montgolfière là. Ok, alors viens là. Est-ce que je peux emmener mon cheval avec moi? Oh, j'ai envie de faire un truc, c'est un petit peu cruel. Mais en même temps. En même temps, j'ai bien envie de voir. Ça va. Non, ça craint. Je voulais faire monter la montgolfière en fait. Mais attacher le cheval avec ça. Attendez. Parce que moi, j'aimerais bien emmener mon cheval avec moi, en fait. Vous voyez, c'est ça le délire. Ça va me faire... ma montgolfière, elle va partir en steak, là, non? Je pense que la montgolfière va partir en steak. Yeah! Ok, c'est bon, le cheval ne vient pas avec moi. Viens là, Epon. T'as failli te faire monter en l'air, mon ref, mais comme Jaja. Ok, alors attendez, faut que je sois un peu plus plat. Ah, mais est-ce que j'aurais suffisamment de piles, en fait? C'est ça la question, question que je me pose, là, actuellement. Ah, j'aurais peut-être pas... Ah si, j'aurais, je vais avoir assez de piles. J'espère. Oula. Ça va être juste, hein? Non, si, c'est bon. Je saute et je vole! Ok, plutôt plutôt intéressant, du coup, c'est mon golfière comme ça, là. Ça me plaît beaucoup, cette feature-là. Alors, j'imagine que ça... Il faut que je refasse le... Le truc ici... Voilà! Petite noix Korogu, au passage, hein. Ah ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé! À la revoyure, comme il dit. Tout pareil. Maintenant. Faut que je grimpe encore plus haut. Toujours plus haut. Passons par là. Et oui, il faut quand même utiliser un petit peu nos petits bras, hein, parce que... Voilà, maintenant on traverse les murs, on a des montgolfières, tout ça, mais... On peut pas non plus aller de partout, partout, quoi. Petit sanctuaire. Ah, il y a une... Ah, d'où la tête de mort. D'accord. J'ai noté ça avec des têtes de mort. Bon, intéressant. Là, on voit bien le truc...
le symbole. Truc dans les cieux. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce Zelda. Hein. Moi, ça me plaît bien, moi. Et d'abord, sanctuaire. En espérant que ça ne soit pas une énigme trop compliquée. On verra bien. En même temps, j'en veux une pas trop compliquée parce que l'épisode est bientôt fini. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'elle soit trop simple. L'engin qui transporte. Déjà, c'est pas mal grand. C'est pas mal grand. Il va falloir que je fasse des choses comme j'avais fait vers les temples Sonao. L'impression. Quoi qu'il en soit, il faut que j'emmène la boule là, ici, et après c'est fini. Donc il doit y avoir un coffre quelque part, mais je ne sais pas où. Il y a aussi du vide. Et aussi du vide. Alors. Tac. Moi, je vais faire même comme ça parce que j'ai la flemme de me taper les escaliers. Bam! Pouvoir magique! Ça fait plaisir. Évite de monter les escaliers. Maintenant. Là, c'est bien. Il y a une bouboule. Bouboule que je peux ramener là-bas. Grâce à ça. Très bien, fort intéressant. Mais où est le coffre en fait? C'est ça la question que je me pose là. Il y a forcément un coffre. Ah bah il est là-bas. Il est là. Ah ah. Je l'ai vu. C'est bon, maintenant je suis... Non, je suis rassuré, j'ai trouvé le coffre, j'ai tout trouvé. Là il y a des bâtons, mais ils me servent à rien les bâtons. Pourquoi ils me serviraient les bâtons actuellement? Ça ne sert à rien les bâtons. J'ai juste à prendre la boule comme ça. Et paf. Elle va glisser. Pas toute seule, ok, j'ai compris. J'ai compris. Viens là, viens là. Elle est passée à travers. Eh ben, je sais ce qu'on va faire en fait. Je sais ce qu'on va faire. On va prendre ça. On va faire comme ça. Paf. On va prendre l'autre. Du coup, maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a des bâtons. Et on va faire comme ça. Et maintenant, la bouboule, elle ne tombera plus des rails. Pratique. Hey, hey. Trop bien. C'est vraiment la meilleure mécanique qu'ils aient pu rajouter, ça, le fait qu'on puisse coller les choses et tout, ça rajoute une autre dimension au jeu, c'est vraiment une super bonne idée d'avoir fait ça. Hein. Ah. Et moi, si je veux me rendre là-bas, moi, je vais devoir faire... Ça pour le coup ça ne se colle pas hein. Comment je vais faire pour aller jusqu'au coffre? Parce que là attendez. On va déjà réfléchir pour la boule. Moi, j'ai eu envie de faire en fait quelque chose comme ça qui me permettrait de le mettre en fait. Non, c'est un peu débile ça comme histoire. Attendez, attendez.
En fait... Est-ce que ça tient seulement, ça? Ok, ça passe comme ça en triangle. Eh bah, il n'y a rien de compliqué alors. Si? Y a même pas besoin de faire des trucs de fou. Regardez, je l'emmène même avec les deux. Ok, d'accord, ça marche pas! Débile. Oh, elle est revenue là, trop bien! Trop bien, trop bien. Alors. Du coup, il faut que je lui fasse une plateforme pour que je puisse mettre la boule dessus. Et qu'en même temps, il y a cette espèce de... Mais pourquoi il a acheté ça, lui? Je ne lui ai rien demandé. Alors qu'en même temps, il y a cette espèce de petit plat, en fait. De petit toit, pardon. Qui va se mettre sur le truc. Si je fais ça comme ça, du coup, en carré, en rectangle plutôt. Ah mais là, si je le fais en rectangle, je suis pas capable de... Pas capable de faire passer le truc à travers. Je vous avoue, je sèche un peu là. Je vais avoir un problème de répartition de poids en fait comme ça. Je vais avoir un problème de répartition de poids. Là, je vais pas être capable de passer à travers la barre. Oh, si j'essaie de faire quelque chose comme ça. Si ça marche comme ça. Ok. Bon bah alors on va faire comme ça, attendez. Tac. Ce que je veux actuellement en fait c'est coller. Vous collez la boule là. J'essaie de la coller le plus au centre. Voilà, histoire d'avoir une bonne répartition de masse. Bon, elle n'est pas du tout au centre. Elle n'est pas du tout au centre en fait. Ça me l'a pas collé au bon endroit. Je pense pas qu'on aura bien mieux que ça. Là, du coup, avec cette construction bizarre, je devrais passer à travers. What the fuck? J'ai carrément traversé le truc. Pas normal, ça. Mais what? Pourquoi ça traverse comme ça? C'est fou, ça. Là, je lâche. Et ça marche! Hé. Ah. Bon. Au moins, elle est presque arrivée, non? C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Pense que une des... Et là, comment je passe, en fait? Je comprends pas, là. En train de faire une bêtise. Je dis rien parce que je suis ultra concentré pour pas tomber. Yeah. Non, j'y étais. Mais pourquoi les contrôles de ce jeu sont si nuls aussi? J'avance avec le joystick, il avance pas, il saute sur place, ce débile. Bam. Ok. Là maintenant je triche un peu, je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais moi je fais de cette manière-là. Hop, je suis sur ma plateforme. Et à partir de ma plateforme, là je vais pouvoir prendre l'élan nécessaire pour rien. C'est une dinguerie! C'est une dinguerie ce qui vient de se passer! C'est une dinguerie! Il a pas... C'est une dinguerie, je me suis tapé le mur! Oh là là! C'est fou, mais c'est fou! Tout ce qui se passe.
incroyable. Bon, s'il te plaît, Link, saute sur cette échelle. Voilà, c'était pas si compliqué. Oh là là. Ah, ça m'a saoulé, hein. Ça m'a saoulé. On va avoir un arc de golem. Ouais, il est un peu mieux que ça. Donc bon, c'est bien ça, hein, mais... Oh là là. Pouah, ça m'a saoulé de récupérer ce coffre, là. Mais bon, ça y est, c'est fait. Maintenant que c'est fait, on est bien. Je vais m'équiper d'ailleurs d'un arc nul. J'ai envie de... C'est fou. Je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé sur B pour sauter. Ah là là. Bon, je crois qu'il est bien temps. Il est temps de finir cet épisode. Hein, parce que ça commence à être compliqué pour moi-même. Alors toi, tu viens là. Oui, temedemedemedem, comme tu dis. On ramène la bouboule. Voilà. On ramène la bouboule dans le trou. Et tada, tada! On a fini le sanctuaire. Ouf. Finalement, l'énigme du sanctuaire en lui-même ne m'a pas trop... pas trop compliqué, quoi. Par contre, récupérer le coffre, ça m'a saoulé. Mais bon, ça y est, on a réussi. Ça s'est bien passé. On va pouvoir récupérer notre petite lumière divine, là. Voilà. Et on va pouvoir s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Il sera sûrement un peu long. Mais, ouais, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. Si on veut avancer un petit peu dans le jeu, je suis obligé de faire des épisodes un peu longs de toute manière, parce que sinon, sinon ça avance pas assez vite de semaine en semaine, bien qu'il y a quand même deux épisodes par semaine. Ça n'avance pas assez vite pour un jeu, pour un RPG, c'est pas... voilà, donc je suis obligé de faire des épisodes un peu longs. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. Et on se retrouve dans un prochain épisode.